Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zebus et nous voici pour la suite de nos aventures sur Shadow of the Forbidden God. On est qui Asture, on est là pour promouvoir la folie. On a le livre qui est déposé dans cette cité, on a Zikino qui surveille le livre. Zikino est monté très haut en menace, donc là il est en train de faire profil bas tout simplement. Parce qu'on a... Normalement, on a dû les pourrir un petit peu. 85% de folie, ça c'est parfait. Les premiers héros vont avoir leur binding qui vont arriver, normalement. Bind Tom qui arrive ici, là, ça arrive assez tôt. Disrupte le signe. On a écopé de deux Némésis pour l'instant. Ça allait assez vite. Et Akatsuki, lui, qui dit rien, qui est en train de monter tout simplement sa maîtrise de la magie de la mort. Et il va y avoir du sport, hein, tout simplement, j'ai envie de dire. On est à 36%. Là, ça commence à tomber dans les ténèbres. Et ça, c'est bien, c'est en passif. Et ça fait perdre du temps, ici. Donc là, il combat la banditerie. Ok, 4 tours encore. Et après, il va venir binder le livre. 4, 5, 6, 7, 8 tours. On a encore 8 tours à 3%. 24 en plus. Plus le fait... On va passer les 100% de folie ici. On va passer les 100% de folie ici grâce au petit boost qu'on a donné avec Zikino. Ça me va très bien, sachant que là, on va commencer à lui drainer un peu de santé mentale au médiateur, à l'élu. Et le signe, pareil, hein, qui fait profil bas. Le truc qui est important ici, c'est qu'il va falloir qu'on soit capable d'infiltrer à un moment ou un autre, tuer le roi. Et si on arrive à tuer le roi, on pourra utiliser ça pour... comment ça s'appelle ? On pourra gentiment utiliser ça pour développer la sœur du... je sais plus comment elle s'appelait, la sœur du massacre. On peut bribe the guard, ça c'est bien. Il faut que ça diminue. Elle est morte où, la queen Ok, le roi... Ok, donc... Et elle, la queen... Non, c'est la baronesse. D'accord. Est-ce qu'on a un facteur... Ok, rien à voir. Rien à voir, elle est morte là-bas. Ok, très bien, elle est morte là-bas, j'ai rien dit. Je me suis un peu emballé. On pourra bribe the guard, faire diminuer un peu la sécurité de 2. Donc on aura quand même 125 points à accumuler, mais je pense que ça vaut le coup. On apprend les arcanes. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'es en Laylo. Ici. Ça monte, ouais, ça monte bien même. 4% en plus. On va pouvoir infiltrer ça peut-être. Non, t'es toujours en Laylo, on va te les. Et ouais, j'ai fait des actions un peu agressives. Là, j'ai mes profils qui ont beaucoup avancé. Donc là c'est parti. Normalement on a passé les 100%. Donc ça va gentiment drainer la santé mentale des dirigeants. Et ça c'est plutôt un bon point. Et là ce qui doit se passer normalement, c'est que ici on va commencer à drainer lui aussi. Donc là on commence à avoir un impact sur le monde. On commence à apporter les ténèbres. Les lumières brillent un peu moins fortement. Donc là, il a le... on peut utiliser un pouvoir. Donc en fait, on peut fasciner. Donc on amplifie la personnalité du,
du héros. Et Waken Yastur, ça c'est normal. En fait, sa personnalité, il aime bien elle, il aime pas la Discord et Shadow. Ouais. En fait, le truc que je suis en train de me poser la question, c'est... Parce que là, c'est bien marqué. Utiliser les pouvoirs dans Fascinate. On peut amplifier la personnalité d'un personnage, héros ou dirigeant qui a le... qui détient le tome. Et en fait, ça pourrait être intéressant qu'on donne en fait le tome à un dirigeant, qui le garde sur lui, et qu'on le pourrisse. Il faut augmenter la folie de 50% dans une localité. On va se faire drainer le pouvoir, ça fait un peu chier quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste utiliser deux de pouvoir pour infiltrer quelque part, histoire de nous faciliter la tâche. On a une librairie ici. On va devoir apprendre ici aussi. Il y a un arcane secret. Ok, si tu dis ça. Elle est en train de l'apprendre, donc il va disparaître. Il va disparaître. Il n'y en a pas un autre relativement proche. Ici, on a déjà infiltré. Il y en a encore un autre ici, bon, ça me va. Et il y en a un là. Où est-ce que je pourrais infiltrer pour vraiment me faciliter la tâche? Ici. En fait, on va infiltrer ici pour augmenter la propagation des ténèbres. Là. Et normalement, avec l'infiltration, on a plus 33% de propagation. C'est mineur, hein, c'est pas grand chose, mais on prend. Ok, donc on a terminé ça. Akatsuki, ok. On gagne un peu de menace, ça va, on fait rien de dangereux. Quasiment rien. Pas trop, ça dépend. Il est en train d'apprendre le petit truc arcanique. On a moyen de le disrupt ou pas? On peut brief the guard, faire un well of shadow. On va brief the guard. On était là pour ça à la base. Très bien, donc là la sécurité est tombée à 3 quand même. On a quand même bien bossé, je trouve. 3, on va essayer de 21 tours. C'est un peu long, mais ça reste raisonnable avec notre 600 d'intrigue, ça passe. C'est ce qu'on va se dire. D'accord, donc quand on influence des gens, ça influence pas que les gens, maintenant ça influence aussi l'entourage, donc si jamais on met un dirigeant, ça va aussi infecter, la folie va se propager à la localité, et si jamais on la met dans une localité, ça infectera tout le monde. Ok, en fait, faut peut-être prendre le livre pour le mettre sur les dirigeants plutôt. Il va me falloir... Là, on pourra pas le prendre, celui-là, c'est sûr. Là, il est en train de le récupérer. C'est un peu loin, là. Là, ça, c'est pas loin, par... Attendez. Non, on est en train de la prendre. Ici, c'est ça. Ouais, arcane secret. Donc, tu vas venir là-haut. Passage au niveau facile. On a 5 en... On a 5 en connaissance, en intelligence. Ok, il commence à créer des choses pour se protéger. Ah, il s'est protégé, le duc. C'est bien, ça.
Je vais enlever les trucs de quand ils apprennent des pouvoirs, je m'en fous en fait. Ward Created aussi, on s'en fout. Ils ont aussi à relever une localité. On y va. On va. On va utiliser le pouvoir. Ah, ça coûte 3 maintenant. Merde. Merde. 88 tours, c'est beaucoup trop long. Moins 1, on va être à 4, donc on va gagner encore 50. La difficulté, on va gagner 25, hein, c'est 25 par sécurité. 150, ça va être long. Hein. Est-ce qu'on a des modifieurs modifieurs, je sais pas, de mort, un peu là-bas. Il y a eu quelques combats. 22, il y a un peu de modifieur de mort là, ok. Je pense que ça bastonne là entre les deux. ...130%, c'est intéressant. Un petit 1% ici. On a bientôt atteint les... ok. Il va falloir qu'on continue à les bosser en fait. On revient ici, on va empowering. Ok, donc on est en dessous, donc on a gagné de la menace et du profil. Ok, donc on a été affaibli. Ouais, ouais, je sais. On a empowering, ça c'est bien. On va faire human apparence. Toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir bien pouvoir faire? Si tu dis Blood, j'ai pas envie de dépenser mes arcanes là-dedans. On n'a pas de challenge, là y'a rien. Avec la magie du sang qu'on peut interagir avec les autres. Il faudrait qu'on soit capable de... Attends, pourquoi? Je peux pas apprendre le... Il n'y a pas de librairie en fait. Si, une librairie, ok, j'ai pas cliqué au bon endroit. La main, je sais pas. Ok, est-ce qu'il y a un autre endroit où on a été suffisamment malin? Puis tout left. On n'a pas infiltré la librairie quoi qu'il arrive. Je suis en train de perdre mon temps là, ça c'est pas cool. On a un gros pouvoir. On n'a pas moyen de faire, on va faire des Well of Shadow dans le coin, un truc comme ça. On peut faire une recherche d'arcane secrète, ça c'est pas mal en fait, on va faire ça. Zikinu, t'as bien diminué quand même, ça c'est bien. Ok, il commence à devenir taré, il est fou. On va acheter son silence. Ok. Pourquoi je peux pas rechercher 120 gold. Ah, oh, putain. Qui c'est qui a de l'argent? On n'a pas 120 gold. Quelqu'un a beaucoup d'argent sur lui, je veux dire. Pour de vrai. 8 tours. 5%. On va summon. On va essayer de faire ça. Ça va occuper Akatsuki. Ça, on dismisse ça.
Alors, Damned, tu fais des cauchemars. Il gagne 3 de profil. Non, on va pas l'aider avec ça. On perd 5%, c'est pas grave. Caractère aware, on s'en fout un peu. Les gens vont être au courant au fur et à mesure. Ça, on le sait, c'est la vie. On est aussi là pour découvrir. Allez, on récupère ça. Down. Il n'y a plus de guerre ici. On va retourner là, on va repourrir un peu le coin, je pense. Ok, un mort, ça c'est bien. Ça c'est pas mal, hein. On va perdre 10 de progrès, mais on va perdre 5 de menace. Ça, ça me convient plutôt bien. Un autre est mort. Alors. Là. On est à 152%. Ils n'ont pas de profil. La maturation est accélérée. Je pense qu'on n'a plus forcément grand chose à faire par là. On va aller se détendre quelque part un petit peu. Ça nous coûte cher en ressources, hein, le fait de les couver, ceux-là. Trade with Zikino, drop cash. En fait, je me pose la question. Unit challenge. Il peut voler des trucs. En fait, la question, c'est si je donne le tome à Damned, est-ce qu'il est capable, du genre quand on fait le style, de le donner au dirigeant. On va tenter de faire ça. Donc tu vas pousser jusque là-bas. Ok, ça commence à discuter d'alliance. C'est un peu tôt, hein, mais ok. Alors là, on est en aride. On a augmenté. On va faire un assassinat silencieux. On a un arcane secret, là. What the... Tu reviens, tu vas prendre ton arcane secret. La base, c'est ça. La base de notre gameplay, c'est ça pour l'instant. Donc, il va pas. Qu'est-ce qu'on a? Alors, intrigue. Attends, machine intrigue. On va augmenter la rapidité de l'assassinat. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Pas grand-chose. On a quand même un bon lore. Il aime le combat vraiment beaucoup. Il va se mettre à vraiment aimer beaucoup l'ambition. T'as un bon lore. En fait, non, c'était pas ça que je voulais faire, c'était... On va pas le placer, on va prendre un arcane secret. On peut pas le cancel, lui. On peut pas le cancel. Vas-y, fais voir. Ah, il a des stats en plus, hein. Il a des vraies stats. On va une shadow. Complexité 25, on est à combien? On est à 5, on va mettre 5 tours. Ça va leur faire les pieds ici. Ça va leur faire les pieds. Ok, donc lui il est redevenu taré.
Il est retombé à zéro, donc il s'est mis à avoir une nouvelle obsession. Augmenter sa force à lui. On l'a tué. I want to hate Hushin. Ok. Et là, normalement... un objet qui va augmenter notre force. On va se tenter 20 tours, c'est trop long. Je sais pas comment on fait pour l'améliorer, elle, sincèrement. Ça reste quelque chose de très... Ok. Donc là, on est à 100%. Toi, tu vas être un peu débordé. Disrupte le signe. Le signe va s'écarter gentiment. Tard. Là, on a augmenté un peu notre profil. Je pense qu'on va faire une Well of Shadow. Pour histoire de bien... Non, ça vaut pas le coup qu'on fasse ça, en fait. Ça vaut pas le coup qu'on fasse ça. On va faire profil bas. Toi, t'arrives ici. Empower 10 points, on peut. Human Appearance. Ok. Spécialiste 10 points. 4, 5, 2, il a des minions, moi j'ai rien d'autre. Ok, lui il est passé dans notre camp. On va les renforcer. Alors, je vais voir le profil. Menace à 0, profil à 13, ça on s'en fout. On va les renforcer un coup. Leilo, Leilo. Toi, tu fais quoi ici? Drive back shadow. Ouais, on les pourrit bien là, en fait. Et les secrets de mort, et le problème c'est qu'on va augmenter vachement fort si on fait ça. Non, on va laisser avoir sa manticore, je sais pas, je suis en train de courir tous les lapins à la fois, c'est vraiment ça. Lailo. Si on veut augmenter le niveau, il nous en faut 5, c'est hyper long. Va faire ça. Réduire sa menace de 5, c'est une bonne idée. On perd 3 HP, on peut se permettre. Wow, oui, c'est ça. Genre, c'est de notre faute, quoi. Bon, les petits problèmes familiaux, on a vu ça sur la précédente partie, hein, les petits problèmes familiaux. Accepte. Petits problèmes familiaux liés aux activités, hein, tout ça. Et là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ouais, ils sont tous en train d'essayer de les aider, mais on est en train de faire taper la folie pour de vrai, là. Man Soul, ça c'est bien. On va prendre ça. On fera un Leilo après. Donc là, on les a renforcés. Faut le faire monter à 300%.
C'est costaud. Est-ce qu'on a moyen de sortir un arcane secret quelque part? Là, on peut en rechercher un si on le souhaite. On peut en faire un, comment ça se fait? Ils ont pas de... Attends, on va voir ça. Non, on peut pas. Ah oui, mais en plus, il faut être infiltré, c'est ça le problème. Où est-ce qu'on est suffisamment infiltré? Ouais, mais on n'a pas de thunes. On n'a pas de thunes, ça c'est problématique. Ça c'est problématique. Bon, on va faire ça en attendant. Trois tours, comme ça dit, sa sécurité, c'est un vrai examinable, toute tech action temporalité. Ça c'est hyper fort. Après, il faut du pouvoir pour pouvoir y arriver, mais si on peut y arriver, c'est très très puissant. Ok, ils ont commencé à nettoyer ici. Lui, il devient taré. L'élu, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Il préfère le combat, il préfère le danger. Il préfère le danger, si on met du danger quelque part, il va aller là-bas, il y a une chance pour qu'il lui arrive des bricoles. Shadow à 57%, c'est très bien. Ouais, il est tombé sous notre coupe. Down. Donc là, on a augmenté notre force de 1. Ce qui est pas mal en soi, j'ai envie de dire. La madness, elle a combien? Elle a 10% ici. Ouais, il va perdre du temps à essayer de libérer les dirigeants. Ça me va, franchement. Ça me va plutôt bien. On peut faire ça sur... Oh putain la vache, signé tellement haut. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trade ici. Down. Donc on a récupéré le bouquin. On va l'emmener à Damned et on va tester le truc que je disais en le donnant à un dirigeant. Secret of Death. Profil bas. On va suivre le loustic là. Donc, lui il est en train de tout ça. Ah ouais, c'est compliqué de voir là, ses proches sombrer. J'aimerais bien le poser ici en fait. Parce que là on a la quête de voler quelque chose. On va rester un peu là, rien faire malheureusement. Je sais, il a rien à faire. Passing turn. Vous mort. On va trade ici. On va lui donner ça. On fait down. On fait lay low ici. En plus, ça va faire monter. On va essayer de voler un item, 10 tours. Donc ils ont libéré le roi, mais le roi est toujours dans une zone qui est pourrie, donc c'est bien de temps en temps de se laver, mais le problème c'est que si tu continues de marcher dans la boue, bah, ça te salit toujours. Ok, donc lui il voit son enfant en train de sombrer, ça lui plaît pas. Un secret de mort, encore. On va le refaire. On va apprendre le secret. On est monté très haut, on va essayer de redescendre. Ok.
Ça commence à se propager, ils essayent d'équilibrer avec leur entourage, il y en a qui tombent dans les ténèbres, c'est je t'en prends un peu. Ouais. Parfait. Donc là, normalement... Attends. On lui a donné l'objet. Pas comme ça. On lui a pas donné l'objet, je comprends pas. J'ai du mal à savoir comment ça fonctionne. On va voir si quelqu'un devient taré, hein. C'est aussi simple que ça. On va venir infiltrer ça. Ça, c'est facile à faire. On prend pas trop de risques à le faire. On spécialise. Tu vois, tu as their own mind sabotage the private guard for the city to your all intruder. Très bien. Elle a 64%, ça continue de monter, ça me va plutôt bien. On va faire... On fait profil bas. Ça c'est bien. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle les décime ou pas? Non, elle les décime pas. Ils sont montés à 193, la vache. On va faire un petit, une petite détente, là. Man Appearance. On va essayer de venir jusque là où on a Akatsuki avec Zikino. Et c'est Zikino qui va s'occuper de sortir les secrets de la mort. C'est lui qui va se faire monter sa menace. Et Zikino, il va faire profil bas un petit peu. Ça va pas lui faire de mal, je pense. La 100 gold. Moins 2, c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant? Ça, c'est une capitale, putain. On va aller là et on va faire conceal. On réduit tout. Ils sont en train de s'échanger leurs ténèbres. Je t'en prends un petit peu. Merci. Secret of Death. On va faire un deuxième Secret of Death. On peut faire un funding. Donc la menace est encore relativement élevée. On va... Quand on les fund, c'est pour combien de temps? 30 tours. Peut-être pas obligé de le faire de suite, ça veut dire. On va infiltrer ça. Faire 5%, c'est pas grave. Là, j'essaie d'essayer de maintenir les profils quand même relativement bas, si je peux. C'est un peu important. Tu vas prendre ça. 3, on va passer à 4. Avec celui qu'il est en train de faire, on va passer à 5. On va être master en magie de la mort. Okay. Et maintenant, ce qu'il va falloir qu'on vise, c'est qu'on va falloir qu'on infiltre... de la mort en gros, c'est ça. Donc, pour créer de la mort, on connaît les bails. Il faut des vases sueurs, c'est très bien. Il va falloir qu'on infiltre ça.
On va essayer de... On va voir si on a perdu le livre. Donc on va retourner vite fait dans la tombe. Ok, on peut summon. Summon ! On le récupère. On va aller loin. On va essayer de pourrir un endroit où... Voilà, c'est ça. Il y a ça. Est-ce qu'on n'aurait pas un endroit qui serait encore plus pourri pour eux ? Un truc bien au centre de tout. Il y a une ville dans le coin ou pas ? Librairie. Librairie. Parce que le truc, c'est que je veux pas être trop... Parce que c'est ça le truc, c'est que j'ai peur d'être un peu trop près de chez nous. De tout ce qu'on fait. Bon, je crois qu'on va commencer ici. Hein. Là, plutôt. City of Ment. Tu vas aller jusque là-bas. Tu vas aller leur déposer gentiment. Et on va lancer une petite épidémie là-bas. Gentiment, j'ai envie de dire. Donc là, normalement, ils sont à 208. Ils ont une petite menace. On va redescendre, faire profil bas. Et là, dès qu'on a fini, parfait, on a un duc qui tombe sous notre coupe. Le signe, on va pas payer. On a que 104, je crois qu'il nous faut 100. Lui, il essaye de purger. Moi, tant qu'il purge, ça me va. To jump to a new election randomly living behind a hysterical tome. Modifier which will continue to inflict madness here where the tome itself is placed in a new location. Ouh, c'est fort ça. Ça coûte combien? 5. Ça, c'est bon ça. Learn. Hop là. Toi, tu fais quoi? Redeem. Build alliance. Ouais, ils sont un peu occupés là. Ils sont un peu occupés. On continue avec le lore. On retourne ici. Tu me décimes pas tout, hein. Non, c'est bon, c'est assez loin. On va fonder ça. On va placer le livre. On va gagner en pouvoir, on peut recruter quelqu'un. Pendant qu'on gagne en pouvoir, est-ce qu'on a des trucs en lore à faire? Non, pas spécialement. Mais si, on peut faire le, on peut spread le... Démon Bastion. Il est où le démon bastion? Il est là-bas. Il y a des ruines là-bas. On va y aller aussi. En fait, oui, on va aller. On va rester là. On va faire l'Eilo. Parce qu'il ne faut pas déconner. Le signe. T'es super haut. Attaquer. Ouais. L'attaque commence à être proche là. Donc on va venir ici. On va faire l'Eilo. Damnette, t'as bientôt fini. Non, t'as pas bientôt fini en plus. Yes. On va faire un petit scandale. Donc on va créer notre petit scandale, gentiment. Il y a des morts un peu partout, c'est très bien. On a fait quelques petites... personnages grudge. Donc là, ça va remonter un bon coup. Il y a la menace qui remonte, donc on va leur faire diminuer la menace. Faut pas que ce... Ils sont pas menaçants. Ils sont pas menaçants. Sont... C'est pas grave. Je veux dire, c'est pas grave en soi.
Je sais pas quoi invoquer. Il faudrait quelqu'un qui gère un peu pour essayer qui pourrait être capable en fait de rentrer là. Donc on va créer The Trickster, je crois, 4 en intrigue, très très fort. Voilà. On va faire du vol avec le petit singe. Et on va arrêter l'épisode là. On voit au prochain épisode ce qu'on va faire avec le Trickster. Donc ça va être essayer d'infiltrer tout ça pour diminuer la sécurité ici. De 3 points, il restera que 2 points et on fera Bribe the Guard éventuellement. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dirai à bientôt pour la suite des aventures. A bientôt tout le monde. Et bye bye.